Coucou tout le monde, petite rando, on va faire le tour du Grand Caplet avec Note. Voilà, Note. Coucou tout le monde. Voilà, alors on est parti, il est 19h40. On part du pont du Comté. Donc il y a à peu près 2 heures de marche ce Comté. Donc on devrait arriver un petit peu à la nuit. Enfin, on devrait arriver de nuit. Le temps de monter les tentes, on sera en retard pour l'apéro. Bref, c'est parti pour 3 jours de marche. Il n'y a pas tant en kilomètres. Mais par contre, il y a des spots sympas. Première nuit au refuge en bivouac à côté du refuge de Nice. Et deuxième nuit au refuge en bivouac à côté du refuge des Merveilles. C'est parti. Départ du pont du Comté. Regardez comme c'est beau. Et on est parti vers l'infini et au-delà. Et surtout derrière ce truc-là, là-haut. Et voici au passage la cabane de Belle et Sébastien. C'est la cabane qui a inspiré pour l'écriture de Belle et Sébastien. Vous avez vu ? Donc, à l'ombre de son gros rocher, la cabane. Un vrai reporter. Tac. Et on voit la photo. Voilà, Belle et Sébastien. Sous ce magnifique absence de soleil. Allez, il ne tient pas la jambe agile. C'est beau ça. L'homme et ses bâtons. On l'appelle l'arachnide. Petite framboise. Les framboises de partout. Au passage, pour les gens qui ne savent pas, je voulais éviter une zoonose. Cochonnerie qui nous laisse nos amis les animaux en pissant sur les baies. Enfin, il faut éviter de manger les baies. Du moins celles qui sont à hauteur d'animal. Pissent rarement en l'air, quoique, c'est jamais. Mais voilà, tout ce qui est trop près du sol, soit faut pas le cueillir, faut pas le manger, soit il faut le faire bouillir. Mais la framboise bouillie, ben. Bof. Quoi qu'on confiote. Refuge de Nice 2h. Vu qu'il est 20h passé, ça sent l'arrivée de nuit. L'aventure, c'est l'aventure. Ça y est, les chauves-souris sont sortis. Ce passage-là, donc du pont du Comté au refuge de Nice, c'est une rando cool, dans le sens où, je sais plus, peur de dire des bêtises sur le dénivelé, mais je crois qu'on est entre 5 et 600, donc pas ouf. Pour 2 heures de marche, donc c'est un peu quand même. Par contre, ça se fait, vous avez vu, les passages sont larges, peu dangereux, ce qui est assez chouette. Et elle se fait aussi en raquette. Et en raquette, c'est très sympa. Surtout que ça vous permet de passer une soirée au refuge non gardé de Nice. Le mur qu'on voit là-haut, c'est le mur des Italiens. Voilà le mur. Il n'y a pas de membre de la garde de nuit, je crois, ici. Et l'envers du décor.
Je crois que Jon Snow arrive. Ouais. Voilà notre Jon Snow. Il a un peu moins de cheveux que l'autre, mais. Il venait de dire qu'on était deux cons à marcher à chaque fois qu'il pleut ou qu'il fait nuit. Bah, c'est pas faux. C'est l'aventure. C'est l'aventure. C'est une image de marque. Oh putain. C'est notre étiquette. Et là, on a du pot, il pleut pas. Donc finalement, je sais pas si on la mérite vraiment cette étiquette. Après notre bonne minute 30 de pause, avec la transpiration qui lui brûle les yeux, l'homme face à la montagne. Ça va être tout noir! La gueule! Oh le petit bon! Ça va être tout noir! La gueule! Allez. Note de nuit, je sais pas si on le voit. Si on voit le reflet du sur le crâne un peu. Ah pourtant ça me coule même sur les nerfs. Voilà. Les yeux ça me brûle. Qui en est à se décrocher plaque athérome. Eh oui! La montagne c'est ça lui, vous gagne! S'accorder, là. Mais non! Ah putain! Regarde, t'es à l'aise là! Le pied agile, le bâton ferme! La notion d'aventure elle est là. Je vais mettre un peu de lumière. Quoi qu'on est pas loin en fait. On est loin de rien. Hein. Donc c'est l'aventure en toute sécurité. Mais le sentiment est quand même là. Il y a peu d'âmes là autour. Il y a peu de choses manufacturées. Et c'est bien agréable. Mais que sont ces petits points luisants? Est-ce note hein? C'est note. Ah oui, il a un souci de bâton. Hein? Il a enlevé la petite jupette. Je fais des monologues avec la caméra. Attends, il a enlevé ça. Et ça, c'est en fait, ça, c'est pas inutile, même en été. On faisait les grosses l'hiver pour bloquer la neige. Et des petites d'été, celle-ci. Ça évite que votre bâton se foute dans les caillasses et vous le pétiez en deux au passage. Donc ça, bah, c'est la merde dans les pierriers. Tu confies? C'est la merde. C'est la merde. Chaque pas, je m'accroche, je suis obligé de m'arrêter pour tirer, pour l'enlever. Dis donc, tu as... J'ai perdu un peu d'eau. Ouais. Ça, c'est une petite araignée. Qui aime le chewing-gum, apparemment. Je sais pas si vous voyez la taille du bestiau. Oh putain. Ah, c'est du beau, hein. Ouais. C'est ce que c'est un gros chewing-gum. C'est de l'araignée de montagne, ça. Une araignée de montagne, ouais. Ah, encore une. Elles sont énormes. Quoi, il y a encore une araignée? Ouais. Et voilà où, refuge de Nice, 30 minutes. Je sais pas si vous voyez les deux petits yeux qui brillent dans la nuit. C'est un barrage, ça. C'est pas les deux petits yeux, c'est le refuge, avec les lumières du refuge. Arrivé sur le refuge de Nice. Voilà, on est passé au refuge. On a croisé des têtes connues. C'était très sympa. Et ça fait plaisir. Et voilà, on est reparti du Wapi à côté. Oh, il y en a une qui est en train de faire le son sèche. Et voilà, les tentes sont montées. Lanshan 1. Ferino Light Tent 1 et les cartouches. Petite pas tuto, petite astuce, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble de la nourriture lyophilisée maison. Enfin pas lyophilisée, déshydratée maison. Ça, là voilà, là j'ai 3 jours de nourriture. Il manque une barre qui est dans la pochette avant de mon sac. Pour l'eau. Bon, on a une gourde filtrante, j'ai une gourde d'un litre et ma gourde filtrante, ma gourde derrière c'est tout, lâche tranquille pour de l'autonomie. La filtrante ça vous permet de prendre l'eau dans les lacs, dans les rivières, tout ce qui est coulant de préférence, même un goutte à goutte ça suffit.
juste être patient pour remplir la gourde. Ici, là, j'ai deux repas. C'est de la paella déshydratée maison. Donc ça pèse vraiment rien, ces petits sachets. Là, j'ai deux repas. Ça prend pas de place. C'est bon, contrairement, c'est meilleur que les déshydratés industriels, un peu dégueu. Là, ce soir, c'est Faritas avec notes. Donc voilà à quoi ça ressemble. Il y a 600 grammes de légumes, d'haricots rouges, donc tout ce qu'il faut pour bien se remplir le bide. Et puis c'est bon. 600 grammes en version non déshydratée. Et je sais pas exactement combien ça pèse, mais on doit être dans les 100 grammes. Pour un gros repas pour deux, ou 100, 150 grammes peut-être, même pas, je pense. Donc voilà, les bananes déshydratées, un petit tanka, des Cliff Bar parce que c'est bon, et un petit porridge pour le matin, avec des petits fruits séchés dedans. Voilà, on peut dire 3 jours, mais on va dire un repas du 2 jours plus un repas du soir. Un petit réchaud qui pèse rien, une petite popote en titane, un petit verre de jaune, et puis on est bon. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait, ben oui. Voilà. Ouais. Hey. Pas mieux. Mais moi j'ai... du saucisson, une salade mexicaine, des biscuits, et des tortillas. Et voilà, tortilla, pour mettre le chili. C'est lourd par contre, hein, tout ce bordel là. Genre la salade mexicaine, putain, rien que ça. Ah ouais. Je crois que je suis bossé pour les 3 jours, je suis à 600 grammes. Moi je suis à 600 grammes de bouffe et j'ai un repas pour deux dedans pour un soir. Ouais. Sinon je suis à 500 grammes. Des cacahuètes, du pain. Oh là 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 là. Des M&M's. Voilà. Et si, avec le déshydrateur. La prochaine fois, je pèse rien. C'est toi. Hein. Ça chauffe. Bon, mais déshydraté, hop, et on va se faire péter les tortillas. Tortillas. Aïe aïe aïe. Note, comment tu fais la farine, la tortilla voilà. Tu prends le ping. Ah, tac. Tac. On le plie un peu comme ça. Ouais. Hop, on étale un peu la... Oui, mais alors, comment tu l'étales? La garniture, Ah, ça c'est beau. Voilà, moi je mets comme ça. Après, chez vous, faites comme vous voulez, moi je fais comme ça. Mais tu fais bien, hein. Franchement, c'est bien étalé. Alors, si on en met beaucoup, après ça tombe. Si on en met pas assez, après, bon, ça manque. Bah, c'est du bel étalage. Moi je plie comme ça. Non, d'abord je plie comme ça, pardon. Je me suis trompé. D'abord comme ça, après comme ça, et ensuite comme ça. Et là... Crac. Ça tombe plus. Putain. Voilà. C'est beau. C'est brûlant alors j'ai pas croqué dedans. Petit réveil. Avec une vue pas dégueulasse. Bien dormi? Grave. Remets tes cheveux. Ah, on est bien là. Réveil du J2, même s'il y a eu un petit J1. On a bien dormi, moi peu, mais bien dormi. On entend les petites marmottes derrière et aujourd'hui c'est direction le refuge de des merveilles. Note, bien dormi aussi. J'ai bien dormi. Très bien dormi. Très bien. Il a fait 8 degrés au plus froid donc. Ouais, on est loin d'avoir eu froid. Ouais. Et le spot est plutôt pas mal. Et voilà le paysage au réveil. On a dormi là. Les premiers rayons du soleil.
tarte aux myrtilles du refuge de Nice. Ta groupe, tu l'as rempli ? Ma quoi ? Tu vas remplir la groupe avant que tu fasses le ménage ? Ah ouais, je vais mettre un coup de flotte, bien vu. Et les poules du refuge de Nice. On quitte notre tarte aux myrtilles et le refuge de Nice en direction de la baisse du Bastau et du refuge des merveilles. Petite vue sur le lac Niret. Ça se couvre un chouille. Petit passage sur une baisse, donc un changement de vallée. Et donc là, on est à la baisse du Bastau, on est à 2700 mètres d'altitude. On vient de là, dans le fond, un peu derrière ça en fait. On a du bol parce que le mauvais temps arrive dans la vallée de la Gordeau et nous on va passer Valmasque et Vermeil, Merveille. Donc on va être tranquille de ce niveau-là, je pense. Donc là, on va redescendre. On passe de là. Voilà, on descend dans la... Si je dis pas de bêtises, ça doit être la vallée de la Valmasque, avec au fond à droite, entre les deux sommets, on a la baisse de la Valmasque et derrière la vallée des Merveilles, avec ses gravures et tout au bout, le lac et le refuge des Merveilles. Voilà, donc c'est pas dégueulasse quoi. C'est très correct. Ça y est, il pleut. Pas trop encore. Mais il pleut. Deuxième baisse, la baisse de la Valmasque. Là-haut. Donc elle pique un petit peu aussi, moins que la première de ce matin, mais c'est nos moments de déplus un peu plus intenses que le reste. Tout à fait. Putain, tu es beau devant le lac. Ouais, on me le dit souvent. Voilà, arrivé en haut de la baisse à Valmasque. Donc on arrive de derrière ça, on est passé en bas de ça, on est remonté. Vallée de la Valmasque ici, avec le lac du Bastau. Et de ce couvert-ci, de l'autre côté de la baisse. Vallée des Merveilles, avec tout au bout le lac des Merveilles, le refuge des Merveilles, tout ça. On arrive sur la zone des gravures, où les pointes du coup tungstène des battants sont interdites, et ce qui est cool, ce qui est carrément sympa, c'est qu'ils ont mis sur du coup la zone où ça craint, au niveau des pointes, des battants en bois en prêt. Ça c'est cool. Merci, c'est Marie. Il est fou ce rocher. Complètement fou. C'est vrai qu'il a des couleurs sympathiques. Turquoise, violet, puis je sais pas, il est. La forme elle est super bizarre quoi. Ça rappelle les voitures qui changent de couleur quand tu mets dans l'eau chaude, la petite voiture. Ah oui, les Hot Wheels. Ça a des couleurs un peu comme ça. Hot Wheels. On a vraiment des références, hein. Elle a quand même des couleurs. J'ai le mur de mon salon. Assez dingue quoi, de roche.
gravure. Là, on a la stèle du chef de tribu. Alors, autant je le voyais bien, là, je le vois plus en fait. Si, il y a un grand mec là, je crois, au milieu. C'est pas dingue non plus. Hein. Ça se voit que ça a été bien fait au début et qu'après ça a été bâclé. Oh, c'est magnifique. Magnifique. C'est superbe. Et voilà, on arrive sur le refuge des merveilles. Je sais pas si vous le voyez. Hop, petit zoom. Voilà. L'autre côté du lac. Ça va être l'heure de la traite hein, pour la noire là. Ouais. Chat versus patou. On va aller bivouaquer là-bas. L'homme sans cou. Quand monté pour la deuxième nuit, on est dans un beau petit spot, on est assez à l'abri du vent, même si on s'en fout un peu d'être coupé du vent. Mais ouais, ouais, par contre on a avec vue pour demain matin, c'est très chouette. On vient de quitter le refuge, on a pris l'apéritif et on remonte. Au bivouac, bah manger en fait, parce qu'il est un peu tard pour manger. Et on a la dalle. On joue à deux platines, ça chauffe dans tous les sens. Là, on a un petit, on a de l'eau pour un lieuf. Et là, on a un éclaire un coup pour voir un peu la merveille de popote. Oh, putain, je sais plus ce que c'est. Une paella. Une paella. Déshydraté. Du rosé. Et du rosé. Du refuge. On n'est pas les plus malheureux. On n'est pas les plus malheureux. J3. Et la veille, le décor à veille est toujours plutôt sympa. Et l'heure du café. Départ du troisième jour avec du soleil plein la gueule, donc ça a sans doute tapé fort aujourd'hui. On va quitter le bivouac du refuge des merveilles en direction du pont du comté. Je sais même pas si on est dans le 4 tellement qu'il y a du soleil, je vois rien. On y est. On y est. Okay. J'ai les lunettes. Et voilà où on a pour 3-4 heures, donc c'est un retour assez court. Ouais, comment la tarte aux myrtilles framboises? Elle est bonne. Elle est bonne. Ouais. Et Valou reprend la marche pour le J3, direction le Pas de l'Arpette. Et après un bon petit déj, la bonne tarte myrtille du refuge, on est au top quoi. Il y aura autant.
Là, on est arrivé au pas de l'Arpette. C'est ici même. Et on va aller vers la Gordolasque. Ça veut dire qu'il faut pas de bâton à la pointe tungstène pour cette zone-ci à cause des gravures rupestres. C'est la zone des gravures que nous quittons. Et on va descendre là-dedans. Donc changement de vallée encore. On passe des merveilles à la Gordolasque. Voilà. Ça va un peu casser les genoux. Je crois qu'on a un peu plus 1000 ou 1002 de dénivelé. J'ai pas vérifié, c'est ce qu'on m'a dit au refuge. Donc les bâtons sont les bienvenus. Petit chamois. Ah, il vient de partir, il est en train de descendre là. Il était juste dans la fenêtre. Si vous le voyez, il est là. Ah, mais il y en a un autre qui fait suite ici. Ça va prendre le même chemin, j'imagine. Viens. Il y a 5 mètres. La biquette. Ok, ça va chez moi. Ouais. T'es bien? T'es bien? J'ai jamais vu un chamois aussi près. Croff, rimeur. Pas besoin de bâton, lui. Petite framboise. Ils sont bonnes, hein? Qu'est-ce qu'il y en pense? J'ai perdu. Merde, j'ai perdu. Ça sent la fin. On tombe sur la Gordolasque, dans le fond, la vallée et le parking là-bas. Wow. Et voilà où. Easy peasy. Voilà, donc on est parti là-bas, on a fait le tour vers là-bas, on a fait un grand tour vers là-bas, puis on est revenu là. C'est clair, c'est important d'être clair. Walou, on vient de finir notre rando, 2 jours et demi dans le Mercantour. Et bah, c'était bien sympa. On a eu de la pluie hier. C'était assez chouette parce que ça donnait plus de couleurs aux pierres en fait, dans la vallée là où il y a les gravures. Donc on a profité de ça. Aujourd'hui, grand beau soleil jusqu'à maintenant. Ah ben voilà. Merci, une goutte de pluie. C'est parfait, on a la voiture. Fin de cette aventure. À bientôt.